On a déjà ramené plus d'1,5 milliard grâce à ces voyages. Des voyages qui n'ont même pas coûté 50 millions de dollars. Mais on a déjà ramené plus d'1,5 milliard pour le Congo. Et nous allons continuer. Nous n'allons pas écouter ces mauvaises langues qui avaient déjà promis, rappelez-vous, qu'ils vont tout faire pour que les investisseurs ne viennent pas au Congo.